année 2010 a été rude et endurante. Il faut dire que le nabo de l'Elysée vous a pas épargné avec ses conneries. Le gour, les petits loups ? Entre les manifestations du nain gesticulateur Bernard Thibault et les changements permanents autant qu'inutiles du gouvernement Fillon, ils nous ont mis dans un beau merdier. Quant à moi, je dois vous dire que je suis navré que PPDA... Ouais, je fais du mon petit mieux, là. Je suis navré que PPDA ait été viré comme un malpropre de TF1. Et je dois me débrouiller avec Bernadette. Il faut bien dire que Bernadette, depuis 30 ans, ses facultés sexuelles ont quelque peu diminué. Alors, maintenant, on va laisser la parole au nom de l'Élysée, mais avant tout, Française, Français, je vous souhaite une année pleine d'argent, de pouvoir d'achat, c'est un merdier phénoménal, et je vous souhaite beaucoup de sexe, parce que moi, je suis obligé de me reporter sur Clara Morgan. Maintenant, vous allez choisir le nom. Chers compatriotes, après ce brillant exposé du grand prince Chirac qui a rien à foutre de ses journaux, je vais vous présenter mes vœux. Vous voulez que je vous formule mes vœux ? Oui. Très simple parce que je suis un enfoiré. Oui, je suis un petit enfoiré, mais un enfoiré quand même. Pour les chômeurs. Je vous parlais des chômeurs, je pense à vous. Alors les chômeurs, qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite un peu moins de pouvoir d'achat en 2011, un peu plus de merde. Pour les intérimaires précaires. Ben oui, les intérimaires précaires, je pense à vous, mais je t'ai entendu. Les intérimaires précaires, je disais, je pense à vous, je vous souhaite de travailler encore moins pour gagner encore moins. Et quant à moi, j'invite tous les riches du pays à Courchevel avec ma carita pour se faire dorer la pilule pendant que la France crève la dalle. Voilà, c'était l'enflure de l'Élysée en direct à vous les studios. Salut les petits nuques, c'est Johnny. Quand j'ai rencontré Nicolas au Phuket, il m'a dit, comme j'ai pas beaucoup de mémoire, je sais plus trop ce qu'il m'a dit, mais je vais vous le dire quand même. Il m'a dit de présenter mes vœux aux Français. Alors, pour présenter mes vœux, je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite beaucoup d'amour et surtout la santé. Parce qu'il faut dire que, côté santé, le petit enculé de docteur de la Jus a failli m'envoyer dans la mer. Ah ! Dans la mort. As-tu un ami qui suit que ça fait plaisir. Je vous souhaite beaucoup d'amour, la santé. Voilà, c'était en direct du Stade de France. À vous les studios, à côté. Je ne vais pas pouvoir en parler fort parce que je vais vous parler football. C'est vrai que là, je vous demande d'ouvrir bien les écoutilles comme à l'entraînement parce que c'est Zinedine qui me représente ici. Alors c'est vrai que les vœux que je formule pour cette année, c'est qu'on ait moins de Brel en 2011 qu'en 2010 parce que je crois que mon ami Laurent Blanc prendra le temps de prendre les coups de main sur ce tropage. Merci d'accueillir ce soir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. On passe finalement à un autre registre. Je suis très heureux de vous retrouver en 2011. Tout d'abord, j'ai un premier vœu à formuler. Surtout, ne regardez pas TF1.
Quel est le motif? Écoutez, ce sont tout simplement des enfoirés qui m'ont chassé comme un malpropre. Qui ne méritent que votre mépris. Alors, pour sur PTDA, donc je vous invite à venir rejoindre votre journaliste préféré sur Arte, où je commente, comme vous le savez, les émissions animalières, ce qui est passionnant, je veux dire. Alors, vous savez commenter aussi bien le coït du singe que la reproduction de la girafe en Afrique, ou encore finalement celle de chimpanzé au château de Versailles. C'est très amusant. Nous allons finir, chers amis, avec une tonalité beaucoup plus spirituelle. Je vous souhaite, chers amis, meilleurs vœux à tous et à tous en 2011. Que les jeunes arrêtent de se mettre des branlés, surtout au Comedy Club. Et j'invite tous les jeunes à venir avec papa, la singer, le Kaiser, aux Journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Ils ne veulent pas de oiseau des îles. Est-ce que t'as de l'actu, quelque chose on peut te revoir? Eh bien, mardi prochain, même heure. Mardi prochain, même heure.